Tu l'as tourné dans l'autre sens. Voilà, j'ai tourné dans le sens là-bas. Par rapport au plan, tu sais où on se trouve là? Par rapport au plan, ouais. Ouais, alors, porte. On va dire que la porte, elle est face à nous. On est à droite du fort. On est à droite du fort, en haut, premier étage. Après, en sachant c'est pas l'époque. C'est pas de l'époque, hein, je te dis. Non, c'est pas de l'époque, mais sachant qu'à l'époque, tu sais, les balles, elles étaient en plomb. Pourquoi vous avez trouvé quoi? Une balle. Une balle de plomb. Ah ouais. La montre, une cartouche. Une cartouche. Ah ouais. La vieille, je sais pas, c'est le ballon rouillé, il y avait quelque chose. Putain, qu'est-ce que c'est pour ça? Je sais pas. Séance de PVE numéro 1. Y a-t-il quelqu'un de présent avec nous dans cette pièce? Nous nous trouvons apparemment dans la salle qui était la salle de police. Est-ce qu'un policier serait présent avec nous en ce moment? Est-ce qu'il y aurait un officier de la cour martiale présent avec nous ici ce soir? Essayez de nous parler, s'il vous plaît. Nous pouvons vous entendre grâce au micro que nous avons installé. Juste en face de moi, au-dessus de ma tête, se trouvent des crochets. Pouvez-vous nous donner l'utilisation de ces crochets, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un de présent en ce moment avec nous? Si vous le désirez, vous pouvez redéclencher éventuellement un de nos K2. C'est les mêmes appareils qu'on a utilisés hier soir et en début d'enquête. Ou encore, vous pouvez éventuellement essayer de poser votre voix sur le dictaphone ou à travers l'appareil que Anna tient dans ses mains qui nous permettrait éventuellement d'enregistrer votre voix. Si vous le désirez, n'hésitez vraiment pas à le faire, s'il vous plaît. Pouvez-vous me dire si les crochets qui sont au-dessus de la tête de JB servaient à maintenir les bras des personnes éventuellement attachées ici? Enfin, à tenir les bras en l'air, pardon.
essayez de nous transmettre votre émotion que vous avez pu avoir dans ces lieux. Est-ce vous qui êtes en train d'essayer de nous faire comprendre en touchant les cheveux à JB que vous êtes là avec nous ce soir? Je sais que cela vous demande peut-être beaucoup de force pour vous. Pouvez-vous déclencher, s'il vous plaît, l'appareil, la petite boîte noire que JB tient dans les mains? S'il vous plaît, déclenchez le K2 que j'ai dans la main. Pouvez-vous tenter, s'il vous plaît, de nous montrer clairement que vous êtes avec nous ce soir? On a eu plusieurs ressentis personnels au cours de la soirée. JB, qui est en face de moi, a cru sentir comme si on jouait avec ses cheveux, comme si on essayait de lui faire tomber le chapeau qu'il a sur la tête. Pouvez-vous éventuellement déclencher notre appareil, s'il vous plaît? Cela nous permettrait de réellement savoir que vous êtes là avec nous ce soir. Nous avons laissé les codes dans le couloir. N'hésitez pas à vous en approcher, à jouer avec. Ils sont là pour ça, on est là pour ça, on est là pour vous ce soir. Essayez peut-être, si vous pouvez, de vous déplacer autour de nous avec le chimie qu'il y a par terre. Peut-être pourrions-nous entendre un déplacement, un frottement. Est-ce que l'infirmière qui était là tout à l'heure avec nous serait-elle encore là? Est-ce qu'un policier pourrait éventuellement venir se rapprocher de nous et nous faire savoir que vous êtes là avec nous en ce moment, s'il vous plaît? Je
Non, là, j'ai rien entendu. Y aurait-il quelqu'un qui serait dans le couloir? Quelqu'un du camp de redressement? Puisque ce serait là qu'étaient les dortoirs. Peut-être qu'il y aurait le surveillant ou la surveillante qui ferait les allers-retours pour voir si les jeunes seraient en train de dormir. Nous allons nous déplacer. Si vous le désirez, vous pouvez venir dans le couloir. Et merci d'avance pour toute éventuelle réponse de votre part. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ouais, moi aussi. Moi je suis gelé, j'ai entendu un boum boum. Je sais pas pour vous, mais. Moi c'est un boum que je lui ai dit putain pour moi. Attends, moi j'ai un boum boum là. On essaie de se faire la cantine. La cantine. Pour descendre. Et puis alors, je vais juste récupérer ma touche. Ouais. Je me sentais vraiment pas bien et j'ai eu des douleurs qui sont venues comme ça et même tout à l'heure j'ai eu les larmes aux yeux, j'étais vraiment pas bien là-bas. J'étais pas bien. Voilà, c'est bon. Il a vu un truc. Il y avait quoi? Je sais pas, il y a quelque chose. Je vous promets, je suis à deux doigts d'avoir les larmes aux yeux, donc ça va. Il y a quelque chose qui a bougé là-bas. Je vous promets, au fond, il y a quelque chose qui s'est. Je sais pas. Tu veux que j'y aille en posant des questions? On va y aller, mais. C'est pour le temps que tu es dans la cellule là-bas. Hein. Ouais. Ouais, c'est tout au fond, j'ai vu quelque chose se déplacer, je sais pas, c'est peut-être un animal, je sais rien, mais il y a quelque chose près du sol qui a bougé. Ah mec, ça m'a même foutu les chatons, quoi, j'étais déjà... Non, mais je peux pas, ça m'a foutu les chatons, en ce moment, putain. Il me semble avoir vu quelque chose se déplacer. Est-ce vous que j'ai vu? Si oui, s'il vous plaît, pouvez-vous éventuellement déclencher un appareil que nous tenons dans la main? Ou. Putain, j'ai pas envie de dire ça. Ou éventuellement réapparaître devant nous, je sais pas, ou déplacer un objet, un caillou ou taper dans un mur? Pouvez-vous faire ça pour nous, s'il vous plaît? J'entends gueuler. Ouais, moi aussi. Oui, j'ai entendu crier. Moi aussi, j'ai entendu. J'ai entendu aussi, mais j'étais pas sûr. Et toi, je vais peut-être comprendre dans la caméra, ça doit être violent. Mais il faudra l'amplifier parce qu'on l'entend vraiment en bruit de fond. Comprendre que vous nous avez rejoints. Est-ce vous qui êtes là en ce moment?
quelqu'un qui court. À mon avis, il y a quelqu'un, c'est pas possible. Tout le monde, je l'ai entendu crier avant. C'est impossible. Mais je te jure, à mon avis, il y a quelqu'un. Quand on était au fond, il y a même pas besoin de temps. C'est vous depuis tout à l'heure qui... Ah ouais. Elle a trouvé une autre... C'est pas la même qu'avant, hein. Elle ressemble pas... Elle est plus petite, celle-ci. Ouais, c'est pas... ça a pas l'air d'être la même. Hein. Si c'est vous qui tentez de nous faire parvenir vos sensations, de nous faire comprendre que vous êtes avec nous, on va prendre 5 minutes pour se calmer. On va prendre 5 minutes pour se détendre un petit peu et on revient vers vous tout de suite. Merci beaucoup. Ah, ici, non ? Ouais. Ah, ici, c'est un... Vraiment, pour ça, c'est une double d'air soft. Ouais. Donc, sur base, si jamais on entend tout se déclencher, on a tout repris. Je sais pas, c'est juste ça. Non, la caméra, elle la capte pas. C'est moi, mon appareil photo, il me l'avait fait l'autre fois. Ouais, non, tu vois. Ah, tu vois, ouais. Le mien, oui, tu vois. Le tien, ouais, mais pas le mien. Ouais, c'est ça qui est marrant. Nous allons partir de cet étage. Nous allons nous déplacer plutôt dans la prison. Merci beaucoup de nous avoir permis de rester ici à l'étage un moment. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Au revoir. Ici, ouais, effectivement, on n'est pas venu ici. T'as vu, c'est marrant. Il devait y avoir, je sais pas quoi, ici. Ah ouais. Ok, une sorte de carrelage ou je sais pas. Ouais, puis t'as vu, regarde. Ouais. Bonsoir. Y aurait-il une entité présente avec nous à cet endroit du fort, s'il vous plaît? Si oui, pouvez-vous déclencher l'appareil que Jen tient dans la main? On a eu pas mal de ressentis à l'étage. Pouvez-vous éventuellement essayer à nouveau de nous faire ressentir peut-être votre présence d'une manière ou d'une autre? Nous allons pas tarder à quitter les lieux et on aimerait éventuellement, avant de partir, avoir un dernier signe de votre part, s'il vous plaît. Il nous semble avoir entendu à plusieurs reprises des murmurements ou quelqu'un parler, échanger un dialogue, ou même encore... Il nous semble avoir entendu des bruits de pas. Pouvez-vous éventuellement nous faire à nouveau entendre ce genre de phénomène, s'il vous plaît? Pouvez-vous me décrire à quoi servait cette salle, s'il vous plaît?
Attends, j'ai juste contrôlé quelque chose, du coup, pour voir la photo. Quel nom signifie quoi? J'ai entendu aussi. J'ai pas halluciné. Quoi? Ouais. J'ai baillé, si jamais. Ouais. J'ai entendu, alors je sais pas, c'est un cognement, j'en sais, mais un bruit sourd. Donc quoi? Pouvez-vous, avant qu'on parte, s'il vous plaît, après je pense que nous partirons, si ça va pour tout le monde, pouvez-vous nous faire un dernier signe, un réel signe de votre présence ici, s'il vous plaît? Je sais pas, crier à plein poumon de toutes vos forces, taper un barreau métallique, lancer une pierre contre un mur, pas sur nous s'il vous plaît, mais contre un mur, ou déclencher notre appareil qui se trouve devant Jen et Anna, s'il vous plaît. N'hésitez pas à nous montrer que vous êtes parmi nous, s'il vous plaît. On pense avoir eu pas mal de résultats dans la soirée. Pouvez-vous nous confirmer ces résultats, s'il vous plaît? S'il y a une personne avec nous, pouvez-vous nous dire votre nom? Il y avait une toile d'araignée qui est en train de s'envoler, mais du coup c'est passé dans la lampe, ça m'a fait peur. On sait qu'il y avait des soldats de réserve, plus 250 ici. Alors je suppose qu'ils ont été envoyés ici pour protéger et peut-être mourir ici, je sais pas, par rapport à un essai de fusil qui aurait peut-être mal tourné ou quelque chose. Essayez de nous dire la raison de votre mort. Est-ce qu'il y aurait une entité qu'on dérange? Attends, j'entends des trucs. Nous allons remonter pour pouvoir se rapprocher de la sortie et finalement pouvoir partir. Merci de l'éventuelle communication que on a pu avoir. Les éventuelles réponses que vous avez pu nous fournir. Merci beaucoup. Merci. Faut vous dire qu'en deux jours d'enquête, nous déjà en étant venus avant, il y a encore 2-3 salles qu'on n'a pas faites. Ouais. Après, est-ce que on n'aurait pas meilleur temps pour vous, parce que nous on rentre demain, donc je pense pas qu'on aurait le temps de revenir. Ici, tu sais ce que c'est? Non, c'est ce qu'on se demandait avec Chen. Ça, ce que c'est en fait tu posais ta... Si je me trompe pas. Hein. Ah, c'est pas une arbalète ou je sais pas quoi, ton fusil? En fait, si, pour les fusils, ils se posaient. Mais sinon, le V de maintenance. Non, mais tu sais, la mitraillette. Canon. Ah ouais, vu que c'est lourd. Je vais commencer à plus tester ce qui se passe là-bas, parce que j'entends des bruits là-bas et ça commence à me stresser, donc je vais faire comme si j'entendais rien. Tu sais, les grosses mitraillettes. Les mitraillettes, ça peut être fixe, là, style une M243 qu'on a aujourd'hui. Ouais. Hein. Tu poses comme ça et tu tiens comme ça. Oui, avec les grosses barres en métal qui te servaient d'équilibre et de maintenance. Ils avaient ça? Oui, bon, c'était moins perfectionné qu'aujourd'hui, mais ils avaient les... Si,
tu vois, tu peux poser la truc et hop, et poser comme ça. Et regarde, essaye avec ta langue, parce que moi avec la main, je n'ai pas grand chose. Mais ouais, puis ça te donne sur les arrivées. Ouais, ça donne sur une sortie de. Parce que là, tu vois, c'est. Là c'est le fort. Là c'est le mur du fort. Donc ça veut dire que là, on est directement à l'extérieur du fort, en direction de. Des entrées qui sont là-bas. Des entrées. Et le bois, donc le bois d'à côté. Et le bois a été attaqué pendant une des. Juste avant 1870. Ouais, il reste 3 minutes, juste à la caméra au pire. Ouais, comme ça, puis après on va. Bon, vas-y. Ben voilà, on vous dit au revoir à la caméra. Au revoir. Bye bye.